Yo les gens, c'est moi Scar. Dans cette vidéo, je vous présente Matix. Donc je vais lui poser quelques questions sur sa chaîne. Donc il est en face de moi, hein, mais dans ce jeu. Donc histoire d'avoir quelques infos. Donc tout d'abord, tu veux nous dire d'où vient ton pseudo de ta chaîne YouTube? Salut moi Scarf, mon pseudo, Matix31, c'est parce que tout d'abord je m'appelle Matisse, et Matix, je trouvais que c'était cool, c'était un bon nom pour YouTube. Avec deux A, donc il m'a bien servi pour mon logo plus tard, le double A qui est derrière mon nom. Et 31 parce que j'habite dans le sud de la France. Ok, ça. Tu vas nous dire sur quelle plateforme tu joues? Alors, je joue essentiellement sur PC, donc sur les MMORPG, tout ce qui est World of Warcraft, Diablo, etc. Et aussi sur PS3, donc PS3 plus sur deux jeux essentiellement, Need for Speed, Assassin's Creed. Voilà. Ok, tu vas nous dire si tu as un idole. Alors, un idol, c'est pas un gamer, c'est un GFX en fait. Et c'est Impact to Design, je sais pas si tu connais, Ouais, c'est. je sais qui, ouais. Ok. Ben en fait, j'ai suivi pas mal de ses tutos et il m'a bien appris à être GFX. Ok, tu vas nous dire quels sont tes moments préférés sur YouTube? Bah alors tout d'abord, c'est mon passage à la barre des 100 abonnés, c'était quelque chose. Mais aussi le partenariat YouTube avant la One Channel. Ok, tu vas nous dire si tu as une saga de jeux préférés. Saga de jeu préféré, ouais, c'est Need for Speed, notamment le dernier, Most Wanted. Ok, tu vas nous dire aussi quel est ton matériel justement pour les vidéos. Alors pour les vidéos, j'utilise donc pour la capture d'écran, pour tout ce qui est PC, j'utilise pour la capture d'écran Fraps pour les jeux vidéo et Camtasia pour juste l'écran, juste le bureau. Quand c'est des jeux vidéo sur PS3, j'utilise un Dazzle, donc un boîtier d'acquisition avec le logiciel Pinnacle pour acquérir. Et pour le son, pour enregistrer ma voix, j'utilise Audacity. Ok, tu vas me dire si tu comptes faire un projet bien spécifique par exemple pour par exemple quand tu atteindras par exemple les 500 abonnés. Alors, quand j'atteindrai les 500 abonnés, ce que je compte faire, j'avoue que j'ai pas encore trop réfléchi. Par exemple je sais pas, tu crées un nouveau projet, par exemple Instant. par exemple là tu fais des vidéos de jeux, mais par exemple tu peux faire comme allez comme beaucoup de gens des caméras embarquées là ou quoi, ou peut-être des autres, des vidéos IRL ou quoi. Ouais, bah j'avais prévu un truc, mais je me souviens plus. C'était une offre de template, je crois, d'intro. Puis plus tard, peut-être, ouais, je vais créer peut-être un petit jeu vidéo, puis on verra ce qu'on peut faire. Le gagnant, il remporte un truc. Ok, et ma toute dernière question qui n'a vraiment rien à voir mais que j'aime bien quand même poser, c'est donc tu vas nous dire allez, ta pensée sur les nouvelles consoles, ce qui est PS4 et Xbox One. Moi je compte pas l'acheter déjà parce que déjà je reste sur PlayStation. Donc Sony, je compte pas l'acheter parce que le ligne va être payant, ça c'est dommage. Donc je compte rester sur ma PS3 jusqu'à qu'il y ait plus aucun jeu dessus. Ensuite le One, j'ai jamais trop. Enfin, j'ai testé qu'une Xbox, c'était la 360. Le reste que je connais pas trop Xbox, donc le One, je sais pas trop ce qu'elle va donner. Il paraît que ça va être une meilleure qualité de ligne, je sais pas quoi. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Ok. Mais je te remercie encore pour la vidéo, hein. Y a pas de souci. Allez. On va se laisser ici et on va continuer à jouer un petit peu. Pas Allez. de souci. Ok, salut.